Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Metroid Prime. Dans le précédent épisode, nous avons réussi à vaincre la ruche mécanique après être arrivé dans les ruines Kozo. On a découvert qu'il y a des Kozo dans le coin, mais malheureusement ils semblent tous avoir disparu. On a noté le taux de toxicité, j'ai jamais réussi à dire ce nom correctement, élevé dans la zone. Mais malheureusement, on peut rien y faire pour le moment, on sait même pas d'où ça peut venir. On a affronté donc une ruche mécanique qui contenait des guêpes tueuses qui étaient relativement redoutables quand même. Et nous avons récupéré les missiles. Grâce à ceci, donc nous allons pouvoir explorer d'autres zones. Et puis c'est à peu près tout ce que je peux dire. Ouais, honnêtement. Donc bon, au début du précédent épisode, j'ai pas mal baratiné un petit peu sur Seimusaran, etc. Je pense pas avoir besoin de dire grand chose. Je pense avoir surtout raconté les trucs très classiques, très... culture G entre guillemets sur la vie formidable de Seimusaran. Donc je pense pas qu'il soit nécessaire de je pense pas refaire ce genre de choses très souvent. Et vous m'arrangez beaucoup à apparaître les uns après les autres. Oh, je me souvenais pas qu'il y en avait quatre. Tiens, viens là toi, saleté. Meridio, mais bref, toi je t'ai déjà eu, donc j'ai pas besoin de t'analyser. Je peux aller un peu partout, je peux monter par là-haut, je peux là, mais en vérité le seul endroit où vous voulez aller, c'est ici. Alors bien sûr, il y a vous 5. Soyez en passant, si vous restez sur cette plateforme où je suis, il y a quasiment aucune chance que les ennemis puissent vous attaquer. Alors oui, il y en a un qui m'a foncé dessus et etc. Mais globalement, voilà. C'est bon, ils sont tous morts, parfait. Fire! Et voilà, il est mort. Bon, c'est une porte, elle peut pas mourir, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, nous avons encore ces maudites créatures du démon. Et on a, vous voyez ce que je voulais dire par plein d'objets. Alors là, évidemment, j'ai perdu un bébé parce qu'il en restait un, a priori, quelque part. On en a une seconde. Alors, vous pouvez foncer tout droit comme un neuneu. Mais malheureusement, bon, voilà, vous avez deux vagues à la suite. Ben, écoutez, comme ça. Je me demande bien ce qu'on va récupérer ici. Bull Morphing. Ça, on a aussi une sorte de rampe. Là-bas, on a un truc de grès. Donc encore un truc qu'on peut détruire. On peut pas détruire avec les missiles, eux, il me semble. Ou en tout cas, c'est si vous pouvez le faire, mais non, vous pouvez pas le faire, je crois. Bref, avancez-vous. Oh non, c'est bloqué. Et vous allez avoir une première vague de créatures. Alors, ils sont nombreux. C'est un peu le même système qu'avec les guêpes. Mais cette fois-ci, la nuance, c'est qu'ils sont quand même en nombre limité malgré tout. Et honnêtement, vous concentrez pas sur un seul. Ça sert à rien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous déplacer constamment. Faites des pas sur les côtés. Hein. Inutile de trop vous promener dans tous les sens. Tirez constamment en essayant de toucher de nombreux ennemis davantage qu'en essayant de viser constamment le même ennemi. Si vous en avez marre, vous pouvez aussi balancer des missiles. Hein. C'est des aires d'effet, donc vous pouvez... Ah, toi, t'es apparu devant mon nez, c'était injuste. J'avais espéré pouvoir faire cette zone, ce passage sans prendre le moins de points de dégâts. Ça partait plutôt bien, mais malheureusement, une vile créature est apparue sous mon nez. Et puis voilà. Alors bien sûr, c'est plus simple si jamais vous avez par défaut 10 missiles, mais peu importe. En ayant terrassé toutes ces maudites créatures... Aïe. Nous avons une sorte de scarabée blindé, honnêtement... boire. Celui-ci n'est pas unique, vous en réaffronterez d'autres, mais de manière normale dans la nature. Entrée relative aux créatures, donc scarabée cuirassé, cet insecte fouisseur à l'épiderme consolidé à un point faible, son abdomen. La fine cuirasse recouvrant la boîte crânienne de cette créature lui permet de protéger d'attaques frontales. Il peut aussi violemment percuter ses adversaires de la tête. Remontant à la surface lorsqu'elle perçoit des vibrations, sa technique de combat consiste à toujours affronter un adversaire de face, protégeant ainsi son abdomen fragile. Donc tout simplement... Raté. Donc là ils vous disent oui, faites des pas de côté. Bon d'accord, ok, je peux pas te tirer dessus avec un missile apparemment. Si. Mais il faut le lancer quand vous avez esquivé l'esquive. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos missiles, hein. Mais deux missiles suffisent à la détruire et c'est à peu près tout. Vous pouvez aussi bourriner comme un neuneu, hein. Ça marche très bien aussi. Mon précieux. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que cette espèce de petit symbole, à chaque fois que vous aurez atteint un objectif. Ici, donc, vaincre un boss, s'enfuir d'une zone, ou je sais pas quoi. Vous obtiendrez ces trucs-là. Ça sert à rien, en soi, hein. C'est juste,
Enfin, ça sert à débloquer des trucs. Comment dire, bonus. Ball morphing, nous ne pouvons pas sauter, nous n'avons pas de bombe, mais au moins on peut se rouler en boule. Apparemment. Y a rien d'autre à voir par là-bas de ce que je sais, et comme j'ai fini le jeu suffisamment de fois, je pense que je pense pas me tromper. Donc, repartons de là d'où nous venons. Bravo. En passant, pour ceux qui se demandent, il n'y a pas de point d'expérience ou quoi que ce soit dans ce jeu, donc vous pouvez détruire tout ce qui bouge sans avoir l'impression de d'abuser. Maintenant, nous allons partir vers une autre voie. J'y étais allé brièvement, et d'ailleurs déjà, est-ce que je peux réussir à sauter? Merci. Bam. Voilà la fameuse guêpe dont je parlais d'ailleurs au tout début, qui avait pas envie d'apparaître. Et qui maintenant n'apparaîtra plus. Bon d'accord, si elle reviendra, mais bon. Il n'y avait pas une seconde ruche? Si, il y en a une. Et maintenant, il n'y en a plus. Détruisez-les à distance, ça vous évite de poser des problèmes. Au pire, vous pouvez foncer hein, et ignorer les ennemis, mais je trouve préférable de se débarrasser des adversaires au fur et à mesure. Parfait, j'ai grillé quelques missiles, donc vous allez m'en rendre. Voilà. Beaucoup plus que ce que j'avais besoin. Et nous pouvons passer là-dessous. Yay. J'ai envie de les ignorer. J'ai pris 20 points de dégâts, n'empêche. Ok, d'accord. Ah! Il manque, j'ai le rayon de charge. Voilà, pas besoin de prendre le reste. Je reviens pas sur mes pas, j'espère. Non, je crois pas. Non, c'est bon. Nous voici dans une autre zone bien sombre, donc on va éviter de faire trop les neuneux. Comme vous pouvez constater, il y a encore du poison en bas, mais normalement, on peut se contenter de passer sur les chemins. Vous avez ces insectes cette fois-ci, laissez-les tranquilles, les luminites, ou je sais plus comment ça s'appelle. Alors, elles vous font des dégâts en vous touchant, mais c'est mieux que de ne rien voir. N'allez pas là-dedans, c'est hautement toxique. Et entre relative aux écrits des Kozo. Notre sanctuaire se développe jour après jour. L'accroissement d'énergie négative due à la météorite a grandement dépassé nos prévisions. Nous, Kozo, devons trouver un moyen de nous débarrasser du grand poison. Pour le moment, nous devons nous contenter de le mettre à l'écart et attendre le jour où une puissance capable de le purifier apparaîtra. Malheureusement, il n'est déjà plus possible de rassembler toutes les parties du grand poison, car elle s'est déjà propagée jusque dans les entrailles de la Terre. Ok, donc on parle d'un météorite, on parle de poison, donc on peut partir du principe que c'est beaucoup plus tard que ce qu'on a lu avant, où ils arrivaient, où ils commençaient à connaître la paix, l'infini, le... Mince, mince, mince! Vite! Merci! Je vous présente les rhinolophes hurlants. Ces trucs sont très lourds à analyser, puisque là, vous voyez, chez AP, qu'ils étaient là. Et, bah, ils ont commencé à me foncer dessus, bien que j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai eu vaguement le temps, là, ils vont commencer à marier dessus. La température de corporelle, cette créature peut atteindre 121 degrés. Ils sont donc faciles à repérer avec, par exemple, des rayons infrarouges. Ces organismes ont une température corporelle très élevée. Merci, 121, je pense qu'on s'en doutait. Le viseur infrarouge peut donc les repérer sans aucun problème. Ils vivent suspendus au plafond dans des grottes où ils pourchassent les petits organismes. Farouchement opposés, attachés à leur territoire, ils s'attaquent à toutes les créatures qui s'approchaient de leur repère. Plusieurs méthodes pour se débarrasser de ces créatures. La première, c'est de les repérer de loin et leur tirer dessus tant qu'elles restent accrochées. La seconde, c'est vous les activez, vous approchez d'elles, puis vous décalez. Encore et toujours un nouvel ennemi. Plante faucheuse, ce puissant tentacule creuse son repère dans les murs. Son œil unique ne l'empêche pas de monter une garde constante. Cependant, son champ de vision est limité à un rayon de 10 mètres. Un appendice en forme de faux très affûté surplombe sa tige. Cette plante brandit cette arme dès qu'un organisme entre dans son champ de vision. Tout simplement, vous tirez dans son œil, il s'en va. Vous ne pouvez pas le détruire. Du moins, pas maintenant. Plus tard, on pourra, mais pour le moment, non. Alors, dépêchez-vous, hein, parce que si vous prenez trop de temps, il va ressortir. Et avancez. Alors, je sais déjà ce qu'il faut faire ici. Et ici, nous avons encore un nouvel ennemi. Il compte. Ah, je peux pas l'analyser immédiatement. Bon, peut-être que ça compte pas comme un nouvel ennemi. Normalement, si, j'aurais dit. Bref, je sais plus si je dois continuer, par contre, ou si je peux...
Je vais continuer par principe parce que j'ai pas de certitude de si ce qu'on peut faire dans cette salle, on peut le faire dès maintenant ou pas. Oui, cette arme ne permet pas d'ouvrir cette porte. Merci, je sais. Ah ! Yay ! Je vois plus rien. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Au revoir. Ici. Ah, si, je crois qu'il. Là-bas, nous avons un point de sauvegarde pour ceux qui sont bas en vie. Ah non, je vais essayer de la faire d'abord. Je vais essayer de faire l'énigme de cette salle là-bas parce qu'il me semble qu'on peut la faire. J'ai pas de certitude, je vais peut-être un peu trop vite en besogne, mais je pense que c'est réalisable et normalement, ben voilà. Si je me trompe, et ben écoutez, au moins elle sera faite en partie. Symbole runique a été activé. En gros, nous avons des espèces de symboles de ce style qui sont disposés un peu partout. Non, faut pas la faire maintenant. Je me souviens de ce qu'il nous faut. Bref, juste pour le dire quand même, il y en a un autre là. Voilà. J'irai chercher les autres plus tard, je viens de me souvenir qu'effectivement, non, il va me manquer quelque chose. Ça doit se faire un... Attendez, non, est-ce que je confonds? Non, je confonds pas, c'est plus tard qu'il faut la faire. Parce qu'il y a une autre énigme exactement du même style un peu plus tard, mais... Celle-là, c'est pour progresser beaucoup plus tard, en fait, donc ouais. Enfin, beaucoup plus tard, genre dans peut-être 3 ou 4 épisodes max. Donc tout simplement, si vous allez par là, déjà oui, vous avez encore ces espèces de saletés là-haut, mais elles explosent très facilement. Là-bas nous avons point de sauvegarde. Voilà, c'est repéré, maintenant je peux m'en aller. Bien entendu, ces trucs volants sont prévus pour que dès que vous sortez du point de sauvegarde, vous les mangez. Ça sert à rien, parce que vous êtes à un point de sauvegarde, vous pouvez retourner en arrière et régénérer votre santé, mais j'imagine qu'ils disaient que c'était marrant. Vous pouvez passer par ici pour rejoindre des parties plus élevées, mais ça sert à rien. Pas pour le moment. Pour le moment, je conseille de juste avancer par là et vite, parce que les autres sont en train de jeter leurs trucs empoisonnés. Il y a de l'ennemi dans le coin. Encore eux. Voilà, emballé, c'est pesé. Des champignons, tuez-les tous. Tuez-les tous. Détruisez cette alcôve pour découvrir encore une réserve de missiles. Donc, nous sommes arrivés aux 15 initiaux. Donc, ça y est, au moins, on a un peu rattrapé notre... on est un peu revenu à ce qu'on avait à l'origine. Restez toujours attentifs, car là-bas, nous avons encore des rhinos machin truc bidule. Détruisez la porte, et nous pouvons entrer dans la salle que j'avais confondue tout à l'heure. Bam, bam, bam. Comme vous voyez, on avance très très vite, donc c'est pour ça que les épisodes longs, ça me paraît pas intéressant. Ici, deux nouveaux objets, rien de moins. Ah, donc ça, c'est tout simplement 5 missiles au lieu de 2 ou 3, je ne sais plus. Et ce truc est un macro... capsule d'énergie qui nous rend 20 points au lieu de 10. C'est énorme. Retournez-vous et tout de suite dès l'entrée, vous avez un symbole runique. Pour ceux qui s'interrogent, ouais, qu'est-ce qui nous dit qu'il faut ces symboles runiques? On peut monter, on peut se balader, mais honnêtement, il n'y a pas un truc qui vous dit « Vous devez trouver les symboles runiques pour avancer. » Là, faut vraiment les chercher vous-même. Le jeu, vous n'allez pas avoir de PNJ qui va vous donner les objectifs. Au mieux, les indices seront de vous rendre dans telle ou telle salle. Mais en général, vous devrez chercher. Honnêtement, si vous êtes un minimum curieux, vous finissez par trouver les trucs vous-même. En revanche, il est indispensable, effectivement, d'utiliser le viseur d'analyse un maximum. Vous pouvez pas vous contenter de l'ignorer. Mais globalement, hein, ça reste un jeu d'exploration classique. Quiconque a joué à un Metroid avant devrait y retrouver facilement ses marques. À l'exception du mode FPS qui, là, ben, vous aimez pas, chacun son avis. Moi, c'est le premier Metroid que j'avais fait. Sans ça, je serais jamais entré dans la série, parce que j'ai joué aux opus 2D. Hein. Et j'avais une connaissance qui considérait que c'était quasiment une hérésie et que ces jeux devraient brûler tous en enfer. Le dernier symbole se trouve ici. Et en faisant ça, nous libérons un autre symbole qu'on analyse pour ouvrir la porte. Hey ! Et si nous avons... Pff, on s'en fiche de ça. Des écrits Kozo. Un désastre nous a frappé de plein fouet. Le vague pressentiment que nous avions est devenu réalité. Une météorite est apparue de nulle part sur son cheval noir et brusquement venue s'écraser sur notre planète, emportant tout sur son passage. Une fois sa puissance destructrice entièrement éteinte, l'étoile déchue se consuma rapidement et l'incident ne devrait déjà être plus qu'un souvenir. Mais un véritable fléau accompagnait la météorite, le grand poison. Une énergie obscure, farouchement avide de matière vivante, telle une araignée qui tisse sa toile, cette étrange énergie négative recouvrit Talon 4 en une seule nuit. La vache. Et ici nous avons le rayon de charge.
Nous venons d'acquérir le rayon de charge. Mais malheureusement, l'avoir obtenu semble avoir réveillé ces saletés. Et là, regardez ça. Admirez. On se croirait dans une salle de sécurité dans un film d'espionnage. Cependant, avec le rayon de charge, nous pouvons les détruire. On pourrait se contenter simplement de les étourdir, hein, quelques tirs, on se dépêche de passer et c'est fini. Mais c'est quand même beaucoup plus marrant de tous les massacrer jusqu'au dernier. Soit en passant, ici, nous avons un obstacle non identifié. On peut se mettre en boule morphing, mais on n'arrivera pas à y passer. Donc, ignorez-le pour le moment, c'est pour votre bien et le nôtre. Tac. Tac. Tac, toi tu disparais en enfer. Et nous revoici venus au début. Donc on n'a pas grand chose qu'on puisse faire ici. On n'a plus qu'à repartir de là d'où nous venons. La 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 la. Alors le rayon de charge, je me souviens plus s'il est vraiment indispensable pour certaines énigmes. Mais disons qu'en combat c'est quand même beaucoup plus efficace. Et en général, je recommande de le maintenir chargé, histoire de pouvoir avancer tranquillement. Donc. Maintenant, je pense... Je fais tout ça de mémoire, hein, soit en passant. Je me suis pas entraîné, je me suis pas exercé. Ça y est, je suis pas en train de lire une solution. Je fais vraiment tout ça de mémoire. Donc, si jamais je me plante, comme tout à l'heure, où j'étais pas sûr si je devais faire la précédente zone en première ou pas. Zut! Voilà, alors là, vous voyez, bon, j'avais pas moyen de les esquiver, donc je les ai tous trucidés. Donc, ils meurent en un seul tir, plus ou moins, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. Mais pour autant, il est recommandé d'essayer de les trouver, donc là où il y en a. Pour être honnête, je me souviens presque d'où ils sont par mémoire aussi. Ce jeu, je le connais très très bien. Pas au point de me souvenir à la perfection de tous les emplacements, de tous les objets, ou de exactement dans quel ordre je dois faire tel truc. Mais disons que je m'en souviens suffisamment bien pour savoir où se trouvent les ennemis et comment est-ce qu'on les trucide. Voilà. Tac. Par exemple, je peux vous dire que là-haut, il y a un objet, mais on peut pas l'atteindre maintenant. Geronimo! Voilà, je vais juste avancer encore un tout petit peu, et puis ensuite, je pense que j'arrêterai, comme je l'ai montré, qu'il y a un point de sauvegarde pas très loin. Je m'en servirai. Bam. Et vous... Toi, tu meurs. Je pense que je peux peut-être réussir à faire un dernier truc. Je me souviens plus quelle longueur ça va prendre. Si je me souviens de ce que c'est et c'est relativement long. Donc déjà ici on voit pas grand chose mais j'ai pas le choix parce que comme vous pouvez le constater. Alors quoi que si je peux m'en aller encore. Je vois rien du tout la vache. Je ne vois rien du tout. Pourtant il me semblait ça l'a remis à zéro ou non. Bon, je vais le mettre à 100, on va bien voir si ça a vraiment un impact, mais vous voyez cette porte là-bas, on ne peut pas y accéder, on peut pas l'ouvrir comme ça maintenant, aucune arme ne l'ouvrirait, il faut sécuriser la zone, donc ça signifie tuer tous les ennemis ou réussir l'énigme. Ces portes elles sont rares, donc vraiment analysez-les immédiatement dès que vous les voyez. Encore c'est méchant pas beau, méchant pas beau, désolé. Ici faites attention parce que vous avez une partie du sol qui est pour moi quasiment à moitié visible et qui est maléfique. Et là, nous avons une méchante créature. En fait, je pense que je vais juste me contenter de récupérer ce à quoi je pense et je vais aller sauvegarder et on fera cette zone plus tard. Donc, crapaud de pierre. Ce prédateur ne s'attaque qu'aux créatures plus faibles que lui. Le crapaud de pierre peut rester immobile des jours durant. Il s'attaque aux créatures qui sont plus petites que lui. Les avalanches d'un bloc. Il régurgite tout ce qui est indigeste et utilise ses défenses en dernier ressort. Cette créature ne peut être détruite que de l'intérieur. Je me demande bien ce qu'il va nous falloir pour la détruire. Ici, nous avons une zone où nous pouvons aller que via une boule morphing. Et au bout, nous avons une porte. Et comme vous le constatez, nous ne pouvons plus repartir. Ah! Non, bon, ça, non, je vais pas passer 5 minutes à montrer qu'on peut pas partir. Donc, ouvrez ceci pour accéder à notre second, allez, on va dire mini-boss. Ils aiment les guêpes, hein, dans cette partie du jeu. Vous avez encore un exemple de cette porte, donc si vous l'aviez pas eu précédemment, vous pouvez le prendre. Et voici...
Notre second mini-boss donc, le drone incinérateur. Il est destiné à l'incinération et l'évacuation des déchets. D'après les schémas des circuits, cette machine est susceptible de tomber en panne si son noyau d'énergie interne est endommagé. Cette unité se caractérise par une programmation d'attaque minimale, mais elle est capable de riposter contre un éventuel agresseur. L'intensité thermique du rayon de ce drone compense la médiocrité de ses techniques de combat. Donc tout simplement, c'est extrêmement simple, contentez-vous de vous balader. Tu fais quoi là? Et après un certain temps, cette fois-ci je vais viser parce que je dois me déplacer en même temps. Vous allez pouvoir avoir son œil tiré dessus. Il va commencer à balancer des flammes là-haut et nous allons révéler encore une espèce de guêpe unique. Guêpe barbelée. Cet insecte volant projette son dard dans le corps de son adversaire afin de le détruire. Membre très agressif de la famille des guêpes tueuses, cet insecte propulse son dard dans un rayon de 20 mètres. Son dard qui constitue une substance acide destinée à la prédigestion se reconstitue après chaque attaque. Bizarrement, les nôtres de guêpes, lorsqu'elles balancent leur dard, elles meurent. Alors maintenant, il va changer ses techniques en se mettant comme ça. Malheureusement, j'ai pas réussi à bien m'en sortir. Ah! Et bien sûr, il a changé son style dès que... Eh mince, je fais n'importe quoi. Alors, il y aurait plus ou moins les guêpes qui sont là en particulier pour vous donner un peu d'énergie. Raté! Là, je dois avouer que je m'y prends un peu comme une patate. Ah, sérieux, j'ai été touché. Meridio. Raté. Restez en mouvement constamment. Essayez de récupérer. Zut, j'ai esquivé sans le vouloir. Les objets, vous voyez, je suis déjà revenu full life. Ah, j'arrive pas à bien esquiver les coups et limite je fonce dans ses propres attaques. Ah, cette fois j'ai réussi à sauter. Vite. Toucher une seconde fois. Ou une troisième. Ouais, non, une seconde. Bon, ce boss n'est pas très dur essentiellement parce que vous avez normalement largement la vie pour encaisser ses assauts. Il fait pas très très mal, hein, je veux dire, il fait... Sauf si vous restez... Je crois que cette guêpe a foncé dans mon attaque. Je me débrouille très très mal, mais ça montre au moins à quel point ce boss est facile. Et cette guêpe a foncé dans mon tir et l'a intercepté, c'était plutôt pas mal. Bref, après 3 séries de tirs dans son œil, le drone incinérateur va exploser après avoir détruit la ruche. Je sais pas si on peut analyser quoi que ce soit, non. Et nous laissant les ô combien utiles bombes de puissance. Les bombes de puissance nous permettent, outre de pouvoir détruire les petits murs, de sauter. Dans la version GameCube, pour rappel, on ne pouvait pas sauter naturellement, il fallait utiliser une bombe de puissance. Et c'est quelque chose donc ils ont modifié et c'est extrêmement appréciable. Parce que c'était quand même assez ennuyeux de toujours avoir casé une bombe de puissance sous soi pour pouvoir faire un saut, d'autant plus que c'est souvent indispensable. Ça fait que dans certaines zones, je recommande limite d'être plutôt en mode bull morphing, car ben ça vous fait sortir de la vue FPS. Les sauts restent assez présents et ils vous permettent de vous déplacer quasiment n'importe où. Et vous avez même pas à vous poser de questions. Voilà. Alors là j'ai été touché, je ne sais pas trop comment. Là par contre je vais plutôt revenir sur un mode FPS. Parce que sinon je ne vais pas réussir ces sauts qui sont un minimum plus subtils. Et donc je pense que je vais rejoindre le point de sauvegarde. Et je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on poursuive notre avancée de la zone. Donc d'ici là... Ciao.